Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire ensemble la quête des ailes de lumière ou aussi appelée quête des étoiles, cette fois-ci dans la vallée du Triomphe. Si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez dans la playlist les autres mondes qui ont été déjà faits, dont la forêt cachée, la prairie illuminée mais aussi l'île de l'aube. On commence tout de suite avec la première étoile qui se trouve sur une des trois pentes. Elle va se trouver sur la pente de gauche. Alors après que j'ai fait l'œil d'Eden, j'ai continué à jouer à Sky. Et j'ai essayé de préserver au maximum les étoiles dans cette vidéo, mais ça fait partie de une des deux qui malheureusement j'ai cliqué sans faire exprès, donc vous ne pouvez pas la voir, mais sur la petite flèche vous pouvez voir où est-ce qu'elle se trouve. Il y a 11 étoiles au total à récupérer, mais sachez que je n'ai pas pris en compte les étoiles qui se trouvent dans la saison des rêves, mais aussi dans la saison de l'interprétation. Pour la saison de l'interprétation, vous retrouverez l'emplacement des étoiles dans la playlist saison de l'interprétation, il y a une vidéo guide, tout est expliqué là-dedans. Et si jamais vous voulez savoir où se trouvent les étoiles de la saison des rêves, dites-le moi en commentaire. Ensuite, une fois qu'on a descendu les pentes, on arrive dans l'aire circulaire. Sachez qu'il y a deux étoiles à cet endroit-là, une qui se trouve sur la plateforme centrale, et pour la deuxième, on va devoir aller sous le lac. On brise la glace, on fait un peu de patinage et ensuite on va tomber sur notre étoile. Pour la suite, il y a deux couloirs, on va prendre celui où il y a une barrière d'esprit. On va tomber sur la cité dans les nuages et sachez qu'il y a deux étoiles à cet endroit-là. Pour la première, on va aller tout en haut, et dans une des deux tours, donc celle de gauche, va se trouver notre étoile. Ensuite, on va se rendre à la tour de droite et on va se laisser tomber, et dans une des alcôves va se trouver la deuxième étoile de cette zone. Une fois qu'on a récupéré toutes les étoiles, on va se rendre au temple et commencer la quête en volant. Donc sachez que dans la vallée du Triomphe, il y a deux courses, une où on vole et une où on va devoir glisser.
Dans la course on doit voler, il y a 2 étoiles. Dans la course on doit glisser, il y a 1 étoile. Et au moment où les 2 courses se rejoignent, on a 1 étoile qui est commun aux 2 courses. Dans la course volante, on arrive à un endroit où il y a 2 couloirs, essayez de vous serrer au maximum à droite. Il n'y a pas vraiment de technique pour réussir à bien avoir l'étoile parce que comme c'est la course où on vole, c'est assez dur de revenir en arrière si malheureusement on n'a pas pu l'attraper. Un petit conseil, vous cliquez plusieurs fois dès que vous voyez l'étoile et normalement, vous l'aurez. La 2e étoile de cette course est la plus compliquée à avoir. Vous allez devoir vous mettre au niveau du dessus du chapiteau. Essayez d'aller le plus près possible et encore une fois, même technique, dès que vous voyez l'étoile, vous cliquez plusieurs fois tant que possible. Et c'est normal si vous ne voyez pas l'étoile vous rejoindre tout de suite, ça prend un petit peu de temps comme vous volez très très vite. Pour savoir si vous l'avez eu, votre compteur d'étoiles va augmenter. On va arriver à un moment donné où les courses vont se rejoindre, c'est une des étoiles où malheureusement j'ai pas fait exprès, j'ai cliqué dessus et donc je l'ai déjà eu. Mais vous voyez, elle se trouve à peu près à cet endroit-là. On va finir la course, on va récolter les dernières lumière qu'il reste à avoir, on essaie d'aller le plus vite possible parce qu'il y a un timer. Et une fois que c'est fini, on va se diriger vers la statue qui se trouve sur la gauche.
Le but, c'est de monter tout en haut sur la statue, puisque l'étoile va se trouver sur son point. Une fois que c'est fait, on entre dans le temple. Dans ce temple va se trouver un endroit secret, vous avez deux moyens pour entrer dans cet endroit secret, un par le haut et un par le bas, mais si vous prenez le passage du haut, l'étoile va se trouver beaucoup plus rapidement. Une fois que vous avez cette étoile, on va revenir à la maison, mais attention, ce n'est pas fini, il reste une dernière étoile à avoir, puisque celle-ci se trouve dans la course, on doit glisser, et il faut donc tout recommencer pour avoir cette étoile. On recommence donc tout le parcours, on y va, on descend, on arrive à l'aire circulaire. Et donc cette fois-ci, on ne va pas prendre le couloir où il y avait la barrière d'esprit, on va prendre l'autre. Alors la barre d'esprit, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il vous faut avoir trouvé certains esprits. Des fois, elle demande par exemple deux esprits de la prairie illuminée pour pouvoir passer. Et si vous ne les avez pas, malheureusement, vous ne pourrez pas accéder à cette zone. Pour cette course-là, pas de problème, on y va tranquillement et en plus c'est assez facile d'avoir cette étoile-là puisque si jamais vous l'avez ratée, vous pouvez toujours revenir en arrière pour la voir.
Et voilà, c'était tout pour ces 11 étoiles de la vallée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois dans le monde de Skye.